Stop mispronouncing English words. Hello guys, welcome. This is Teacher Jeff. Today we're going to be talking about pronunciation, which is one of the most important things when it comes to learning a foreign language, especially English. Qui est-ce qui t'a posé une question ça? Qu'est-ce qui fait les m'a parler anglais avec un haïtien pareil moi, ils comprennent moi et puis me comprennent ni tout et puis pourtant les m'a parler ensemble avec un étranger, un natif dans la langue. Il y a des difficultés pour me comprendre natif là, il y a même tout le gain difficulté pour le comprendre moi. Jodi an nou ap chache jwenn solisyon avèk problèm sa. Li toujou bon lòske nou jwenn kote nou jwenn nou gen febles nou afin ke nou kapab konnen ki sa pou nou menm pou nou fè pou nou surmonte e difikilte sa ke nou gen e pou nou kapab fè kote ke te fèb yo vin fò pou nou. Li important e menm nesesèr pour nous accentuer sur ça gain pour avec prononciation dans la langue ça qui c'est anglais. Quelques raisons c'est numéro 1 problème prononciation. Numéro 2 manque vocabulaire et numéro 3 manque entraînement ou bien nous pas écouter assez. Dans ça gain pour avec problème prononciation, nous gagnons 3 gros éléments là-dedans, c'est word stress, sentence stress and intonation. Je dis, le son ça est centré sur word stress. Qu'est-ce que word stress là? Word stress qui est pour ensemble avec syllabe qui accentué dans un mot qui gagne au moins 2 syllabes dans la langue anglaise. Syllabe ça qui accentué les plus haut lorsque on dit les plus clairs et puis les plus longues. Par exemple, si m'ap di yon mot tan kou conversation, m'ap di conversation, session. Donc, syllabe sa li accentué les plus clairs, les plus hauts et les plus longs passé l'autre syllabe yo. L'autre yo m'di yo de façon brève. Gen yon ensemble de mots nan anglais, hein, ki gen yon syllabe, deux syllabes, trois, quatre, cinq syllabes, six syllabes. Mais je dis nou ap concentré sou mot ki gen deux syllabes yo ki le plus souvent causé confusion pendant moun ap parlé anglais. Parce que même mot li gen même orthographe la, li kon à la fois nom et verbe. Lorsque c'est non de prononcer yon façon, accent tombé sous yon syllabe, différent avec syllabe si que lui-même li c'est un verbe là. Nous gen quelques exemples de mots sa yo. Nous pral montrer ou afin que ou même capable wè comment ou capable créer mauvaise compréhension ou bien confusion dans communication lorsqu'on parle anglais. Lorsque c'est non, syllabe qui accentue à laisser premier syllabe pour mot qui gagne deux syllabes. M'a répété. Mot qui gagne deux syllabes. Règle générale l'a dit. Accent l'a tombé sous premier syllabe depuis le c'est un non. Et l'a tombé sous deuxième syllabe depuis le c'est un verbe. On garde quelques exemples. Nous gain increase. Lorsque c'est un nom, nous dit increase. There's been an increase in the number of students. There's been an increase in the number of students. Lorsque c'est un verbe, nous prononçons increase. Increase. Numbers are increasing. Numbers are increasing. Increase. Konya nou ap pran deuxième mot. Decrease. Decrease. We've seen a decrease in the bird
population. We've seen a decrease in the bird population. Lorsque c'est verbe, on dit decrease. Numbers are decreasing every year. Numbers are decreasing every year. Nous avons quelques autres exemples. Import. This is a cheap import. They import their oil from the UK. Export. Quelque autre exemple? Discount. Permit. Contest. Insult. Pour mo sa yo, yo gen kek particularite ki fè mete yo a pa. Mo sa ki se premier boule lan, kote nou a premier boule lan, pokwa prononse l? Li chanje prononciation et li chanje nature, tout depend de kote nou mete aksan. Et toujours, règle générale a toujours appliqué pour lui. Dans premier syllabe, c'est toujours non que les mêmes liés. Mais cette fois-ci, les changer de prononciation qui a fait que yon moun qui pat connaît que ces mêmes mots, la pensée c'est un autre mot. Suivez bien pour nous la différence. La différence est tombée sous premier E. Record. Laisse nous parler de récit. Donc, c'est un nom. Mais lorsque c'est un verbe, nous prononçons le record. Record. Vous voulez noter la différence? Record, record. Donc, pas de gain aucune confusion si on me dit Moussa en tant que nom, s'il dit en tant que verbe, parce que yon pa gen même son. Ea li change de son pendant que li tombe nan yon lot syllabe ki accentue. Donc, record, e, i, c'est deux sons différents. Record. Donc pour l'autre verbe ça et les sons adjectifs tout lorsque le son verbe les ba on son z à la fin cependant lorsque c'est un adjectif les ba yon son s à la fin nous dit pour verbe là nous dit close the door. Mais lorsque c'est adjectif là, nous dit close. Nous dit yon moun close to me. Nous dit John is close to me. John and I are very close. Close. Toujours songer anglais les c'est une langue qui permet à ce que nous communiquer sans ne pas créer confusion, mais qu'une condition doit remplir. Condition, ça aussi, apprendre accent de moyo, apprendre et appliquer. Conscient lorsque nous n'avons pas appliqué.
et identifier lorsque un monde applique. Comme ça, nous ne pouvons créer aucune confusion lorsque nous avons parlé. Et lorsque un natif a parlé ensemble avec nous, ça nous voulait dire, c'est ce qu'il nous a dit. Ça le dit, nous, c'est ce qu'il nous a attendu. Parce que nous apprenons le principe, ça, règle ça, et nous appliquons. Lorsque nous même appliquons, pendant qu'on parle ensemble avec nous, nous ne pouvons pas étonner et nous sommes capables d'attendre ça que nous même dit. Donc, merci en pile, c'était tout ce que nous avons fait pour aujourd'hui. Hein? See you later. Bye bye.